Nous avons vu ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il y a des athlètes qui se plaignent comme quoi ils ne sont pas assistés. Je crois que le Comité national olympique ainsi que le pays fait des efforts à la hauteur de ses moyens. C'est pour dire qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits, en son sens que, premièrement, si les enfants se sont préparés, se sont qualifiés, c'est qu'il y a eu des efforts des athlètes, des entraîneurs, des fédérations du Sénat et du ministère. Et je crois que l'essentiel, c'est que on est arrivé à l'étape où nous sommes et que toutes les parties prenantes dans l'organisation de ces Jeux fassent des efforts pour que les enfants participent dans de bonnes conditions à ces Jeux et surtout ne pas se jeter le tort les uns les autres dans le sens de dire j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Il faut tenir compte des moyens dont on dispose pour la préparation. Par exemple, au niveau du Comité national olympique, il y a deux niveaux d'assistance. Il y a les athlètes qui sont boursiers de la solidarité olympique. Et là, c'est par rapport à leurs résultats. On soumet un projet de demande de subvention à la solidarité olympique, qui sont acceptés ou pas acceptés. Et nous avons eu la chance que nos athlètes soient acceptés parmi les 1500 qui sont assistés par la solidarité olympique. Et c'est par tranche de 3 mois. Donc on vous avance de l'argent destiné aux athlètes et aux entraîneurs. Et puis après, vous faites des rapports et après, on vous donne les tranches suivantes. Et des fois, il peut arriver que ces rapports traînent et surtout que les athlètes sont dispersés. Et du coup, on arrive avec retard. On arrive avec retard, mais c'est un dû de ces athlètes, tôt ou tard ça doit arriver. Et le deuxième niveau, c'est des athlètes qui se qualifient alors qu'ils n'étaient pas boursiers. Alors à cela, à chacun suivant la période à laquelle ils se sont qualifiés, donc le Sénat attribue une assistance de 750 $ par mois. Il y en a qui ont pris 4 mois. Il y en a d'autres qui, notamment ceux qui viennent de se qualifier, il y a quelques jours, ils vont prendre une assistance d'un mois.